Are you ready? Prêt pour monter sur scène? Birthday girl. Hello, alors je vous fais un petit update. On est arrivé à Lille hier matin en avion. Et puis ensuite toute la journée on s'est baladé, on a fait les magasins parce qu'on arrive, il faisait super froid, on n'était clairement pas prêts, donc pas du tout habillé pour. Donc on est allé s'acheter de quoi s'habiller et puis ensuite on s'est vraiment baladé dans les villes de Lille. On a bu des petits cafés, on a récupéré le Airbnb, on a mangé, etc. Donc voilà, journée chill, de toute façon on était éclatés, donc aucun moyen de s'entraîner, c'était pas possible. Et là, ce matin, le plan c'est d'aller s'entraîner à Fitness Park et ensuite on va aller sur le lieu de la compète, voir si on peut pas aller voir les amateurs, parce que pour le moment on a pris des passes que pour les pros, pour les nanas, mais on s'est rendu compte que pour les pros il y avait que des bikinis qui passaient, donc voilà, on s'est dit autant faire toute la journée qui démarre à 14h. On verra tout à l'heure et de toute façon je vous prends avec moi, c'est parti. Let's go. Yes. Qu'est-ce qu'on fait comme séance? Oh, ben, pour changer, ischio-fessier. Congratulations to you, Stacio Octavia Mazza. You
You are the winner of $3,500 the tour de Seiza USA and voyage au Olympia au Palais de Porto. Let's get the photo in there. Let's get Ce n'est pas ce show. Merde, on a pas fait de show. Post compète. David, il est en pré-compète. T'es prêt pour demain, la scène te plaît? C'est ça, recharge. Moi aussi, je recharge. Ah merde, les filles, c'est passé. C'est parti pour le troisième jour à Lille. Et ça bouge un petit peu. De deuxième jour de compète. Aujourd'hui, on voit que les mecs. Ce matin, pro qualifier. Et cet après-midi, les pros. Voilà, donc les mecs sont on fire. Vous êtes contents de voir les gars aujourd'hui? Énormément. Ça va être superbe. On adore. Tu mets pas ça, sinon frérot, il y aura des problèmes. Oh putain. Paillettes, cible. Let's go. Biceps, biceps, paillettes, paillettes, flamme, top, flamme. Top, 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 hello, alors on est quelques jours après notre retour à Lille. J'ai complètement oublié de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour vous faire un petit retour, nous on a adoré ce week-end, vraiment c'était grave cool. Ben, de voir ouais, tous ces athlètes. Je sais que les garçons, il y a beaucoup d'athlètes hommes qui voulaient absolument voir. Moi, pour les filles, ça m'a permis de voir un petit peu le niveau, qu'est-ce qu'il fallait que je travaille encore pour la saison prochaine. Après, c'est pas le temps qui me reste. Je vais pas faire des miracles, mais ça m'a aussi convaincue dans le fait que je voulais aller dans cette fédération. J'en ai pas parlé ici, mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'ai concouru l'an dernier, mais j'ai concouru en IFBB, donc dans une fédération tout autre. Et
Et en fait, j'ai été pas très bien classée parce que d'un point de vue morphologique, en fait, je suis foutue d'une manière, je suis pas faite pour IFBB. Je suis pas du tout, enfin, j'ai pas la taille si marquée que ça de face. Autant de profil, j'arrive à avoir la taille bien marquée, mais de face, pas du tout. Donc, je me suis vraiment fait pénaliser là-dessus, en plus du fait que j'étais pas vraiment conditionnée, mais ça, c'est complètement à part. Donc voilà, et puis il y avait aussi ces histoires de masse musculaire. J'étais pas non plus très haute, mais les gagnantes étaient quand même très fines et trop fines à mon goût, dans le sens où je trouve vraiment qu'il y a vraiment un fossé entre IFBB et NPC. Et moi je me dis qu'on fait de la musculation pour construire du muscle, donc concourir dans une fédération où il faut vraiment que je limite perde du muscle pour être compétitive et avoir une chance d'être dans le top 3, ça me plaît pas du tout parce que le muscle c'est des années de travail. Donc je préfère changer de fédé et aller déjà dans une fédération où le posing me plaît mieux, où morphologiquement parlant j'aurais peut-être plus mes chances. Et aussi du coup là où où le fait d'être musclé n'est pas pénalisé une fois sur scène, entre guillemets. Voilà, donc c'est vrai que j'avais déjà vu un régional avec Mathilde à Lille en juillet, ça m'avait déjà conforté dans ma décision, mais là, le fait d'avoir vu un pro-qualifier plus un pro-show, mais j'étais au sommet, donc ça a fait beaucoup douter aussi, mais je sais que l'année prochaine, ce sera pas forcément mon année. Mais en soi, il y a un début à tout, donc voilà, cette année, enfin 2023 en tout cas, je la consacre à des Grands Prix et à NPC. Terminé pour moi l'IFBB, c'est fini. Et voilà, tout ça pour dire que c'était un super week-end, on en a pris plein les yeux. Je pense qu'on repart, on se sent crevette, on se sent minuscule, sans muscles, skinny au possible. Mais en tout cas, c'était grave cool et ça nous a tous beaucoup plu. Voilà, je vous laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit pouce. Ciao !